Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence au titre un peu racoleur. On n'a pas vraiment fait 11 000 km en voiture, mais derrière ce titre se cache l'éco-conception web. Donc on va montrer des outils pour mesurer la pollution derrière la consultation de sites web. Voilà. Donc on va déjà commencer par se présenter. Donc je m'appelle Cécilia Bossard, je suis boîte à outils, on va dire. Développeuse, agiliste, je m'occupe de coding goûté, développement pour les enfants, tout ça. Et donc, je suis Kevin Morin, je travaille chez Code Lutin comme Cécilia depuis plus de 10 ans. Donc, je suis développeur Java et JavaScript. Et voilà. Donc là, il y a nos Twitter et nos mastodons si vous voulez nous suivre. Donc, pourquoi éco-concevoir un service numérique ? Alors, il faut savoir que il y a une pollution qui est effective à l'utilisation d'un service numérique. Donc, un rapport du Shift Project dit que 4% des gaz à effet de serre sont émis par notre consommation numérique et que cette consommation s'accroît de 9% par an avec l'accumulation des objets connectés, des nouveaux devices qu'on n'arrête pas d'inventer. Voilà. Et en 2019, donc ça a encore augmenté depuis, la part d'Internet, mais juste Internet, dans les émissions de gaz à effet de serre, était de 2%. Donc ça paraît ridicule comme ça, 2%, c'est pas grand-chose. Mais 2%, c'est l'équivalent des émissions de tous les transports aériens mondiaux. Donc on tape sur l'aviation, mais en fait, le numérique, c'est pas forcément mieux. Et plus encore que l'utilisation d'Internet, c'est la fabrication des matériels qui est encore plus polluante. Donc d'après la WWF, pour produire un ordinateur, donc genre un laptop d'un kilo 5 ou 2, il faut 22 kg de produits chimiques, auxquels il faut ajouter 240 kg de combustible et 1,5 tonne d'eau pour juste un ordinateur. Donc pour limiter notre impact, il faudrait surtout éviter de fabriquer des nouveaux matériels et donc de pouvoir faire tourner nos services numériques sur même les anciens matériels. Donc aussi bien serveur que client. Et donc c'est pour ça qu'il faut concevoir des services sobres. Donc pour qu'un service soit sobre, évidemment, il faut qu'il utilise moins de ressources. Donc il va falloir plus ou moins réinventer l'usage qu'on a actuellement du numérique pour effectivement consommer le moins de ressources possible. Bon, il y a des pistes qui sont assez évidentes. Par exemple, on ne va pas développer des fonctionnalités qui ne servent à rien. Voilà. Bon, déjà, hop, on est plus sobre. On ne va pas ajouter des animations qui n'apportent rien à l'utilisateur final sur nos interfaces et qui consomment pas mal, au final, de CPU et qui font ramer. Donc, on enlève les animations. Il y a des choses évidentes, comme on ne va pas afficher une image en 4K sur un smartphone. Ça a peu d'intérêt. Enfin, mis à part dans des cas d'usage vraiment... vraiment spécifique, mais pour le grand public, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, on ne met pas les vidéos en lecture automatique. Voilà, puis on va faire en sorte que nos applications soient compatibles avec les vieux, entre guillemets, vieux téléphones. Hein, parce que, en général, c'est juste les téléphones qui ont 2 ans. C'est quand même pas si vieux que ça. Donc pour ce Tools in Action, on s'est demandé, est-ce que le site du Jug Summer Camp est sobre ? Donc pour ça, on va se baser sur un outil qui s'appelle l'EcoIndex, qui est développé par Green IT, qui est un collectif. C'est un outil qui est gratuit et transparent, tout le monde peut contribuer, et qui du coup délivre une note de A à G aux différentes pages web qu'on peut consulter. Donc A étant la meilleure note et G la pire note, un peu comme l'IA dans l'électroménager ou le Nutri-Score par exemple. Donc pour calculer ce score, l'EcoIndex se base sur trois données, le nombre de requêtes qui est fait au chargement de la page, la taille du DOM et le poids de la page, donc en kilooctets ou mégaoctets. Donc c'est vraiment une analyse de sobriété vraiment purement cliente et on ne calcule pas du tout côté serveur ce qui est fait puisqu'on n'a pas accès au serveur et qui ne tient pas compte du matériel, c'est vraiment purement la page en elle-même. Donc après si on veut faire un bilan plus complet, c'est beaucoup plus compliqué de faire des analyses de cycle de vie du matériel,
c'est au-delà des capacités du développeur lambda. Là, on vous propose vraiment un outil que vous pouvez faire sur n'importe quelle page que vous développez. Donc, on a passé l'outil sur toutes les pages du site du Jug Summer Camp. Voilà, donc, on s'imagine qu'un utilisateur passe à peu près par toutes ces pages. Peut-être que ceux qui sont déjà venus ne vont pas passer par la page accès avec le plan, mais globalement, un peu partout. Donc, la page d'accueil, qui a une note de D, le planning, présentation. Bon. Donc, plusieurs fois en plus pour chaque page. Bon, globalement, le site du Jug Summer Camp est quand même pas mal. La plupart des sites sont plutôt vers D, E, F, parfois G. Donc là il est déjà plutôt pas mal, mais il y a quand même des choses à arranger encore. On peut transformer la note aussi en équivalent d'émissions CO2 et d'eau consommée. Donc là, on va dire que pour une visite, une première visite, on va dire un peu classique, en visitant une dizaine de pages de présentation et 5-6 speakers, on arrive à peu près un demi-litre d'eau et 40 à une quarantaine de grammes d'équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui correspond à peu près à 200-300 mètres en voiture, donc par visiteur. Donc, par consultation de pages, chaque chiffre. Et donc, c'est multiplié par le nombre de visiteurs. Voilà, si vous souvenez, vous, personnellement, combien de fois vous êtes allé sur le site? Combien de fois vous avez fait refresh pour voir quand est-ce que les places seront en vente? Voilà, à chaque fois la page d'accueil, tac. Multiplié par le nombre de participants, le nombre de personnes qui n'ont pas pu venir aussi, hein, forcément. Et puis, le nombre d'années, depuis, voilà, 11 ans, ça commence à... Le cumul commence à être un peu élevé quand même. Donc, comme la page d'accueil, c'est celle qui a la plus mauvaise note et que c'est la plus visitée, bah forcément, on va analyser celle-ci. Donc, on voit qu'on a une note de D qui est à la moyenne, quoi, mais qui n'est juste une, enfin, qui est juste une page d'accueil, quoi. Donc, il y a la liste des talks, voilà, un logo, une bannière, le menu. Ouais, une vidéo. On en parlera. Spoiler. Et donc voilà, donc on a 39 requêtes pour juste une page d'accueil. Qui fait 3 mégas et un DOM assez conséquent de 800 éléments, un peu plus de 800 éléments. Avec un écho index de 41, donc qui est un petit D quoi. Donc là, on va ouvrir le navigateur. Si tu y arrives. Non. Tu quittes le plein écran peut-être. T'as la souris à côté. Tout va bien. Ouvre un nouvel onglet. Je vais le faire avec Firefox. Ouvre un nouvel onglet. Donc voilà, la page d'accueil, si vous aviez oublié à quoi elle ressemble. Donc je vais vous montrer l'outil qu'on va utiliser. Donc c'est un plugin qui est donc sur Firefox et sur Chrome, Chromium. C'est bon. Donc c'est ça, c'est le petit plugin qui s'appelle GreenIT. Donc c'est GreenIT Analysis, si vous le cherchez dans la liste des plugins de navigateur. Donc il est assez sobre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'actions possibles. Donc là, on a l'action lancer l'analyse, donc, qui évidemment ne marche pas très bien sous Firefox. C'est pour ça que je voulais lancer Chrome, mais je n'ai pas réussi. Mais oui, mais je l'ai, mais j'arrive pas à le basculer sur l'autre écran. Donc il faut que je rafraîchisse et que je relance. On y arrive. Hein. Voilà. Voilà, c'est bon. Évidemment, je vois rien.
Donc on a bien... Vous voyez pas grand-chose, en fait. Si, c'est écrit tout petit. Donc il nous affiche notre note, des codex D, la note, donc la note de 41, la consommation en eau et la consommation d'équivalent CO2. Et il affiche aussi la liste des métriques qu'il a utilisées, donc le nombre de requêtes, la taille de la page et la taille du DOM. Donc voilà, on est bien avancé après avec tout ça. Qu'est-ce qu'on peut bien en faire ? Bon, sachant que ce plugin a l'avantage de pouvoir être utilisé en cours de développement. Vous pouvez l'utiliser sur une page en cours, pas forcément déployée. Et donc vous voyez qu'en dessous du bouton pour lancer l'analyse, on peut cocher. Ah pardon. Bon, on pouvait cocher, l'analyse des bonnes pratiques, activer l'analyse des bonnes pratiques. Donc si vous cliquez dessus et que vous relancez, voilà, ça vous affiche 24 bonnes pratiques, donc assez simples à suivre. Donc là, on voit que par contre, on a pas mal de pistes d'amélioration, ce qui est rassurant. On peut faire un truc pas très compliqué pour améliorer la note. Donc on les rappelle. Sachant que sous Firefox, il en propose un peu moins que sous Chrome. Il y a des choses qu'il n'arrive pas à analyser avec Firefox, mais qu'il arrive à faire avec Chromium. Chromium, oui. Donc nous, on va déjà s'attarder sur quelques-unes de ces pistes d'amélioration, voir ce qu'on peut en faire. Alors, dans les modifications assez simples qu'il proposait, c'était d'utiliser les polices de caractère standard du navigateur. Donc ne pas obliger l'utilisateur du site à télécharger des nouvelles fontes à chaque fois. Sachant que l'expérience utilisateur là sur le site du Jug Summer Camp, elle n'en est pas particulièrement chamboulée si on utilise les fontes standards du navigateur. Un deuxième point, c'est aussi de ne pas retailler les images dans le navigateur, déjà parce que ça consomme du CPU, et le fait de les envoyer dans la bonne taille, ça évite aussi de gaspiller de la bande passante pour des images qui de toute façon ne seront pas affichées dans la résolution maximale. Et l'autre préconisation, c'est de regrouper les CSS et les JS pour éviter de télécharger encore beaucoup de fichiers. Là, si on regarde la liste des... C'est pas super pratique. Hein. On peut regarder qu'il y a pas mal de CSS et de JS qui sont sur le domaine du Jug Summer Camp. Il y a peut-être moyen de faire un petit... Tout regrouper ensemble, faire un petit peu de ménage, parce que il y a des choses, je ne suis pas sûre que tout soit utilisé sur le site. On va faire un peu de ménage donc, sur les JS et les CSS. Il faut peut-être que je remette les slides. Ouais. Donc là, on voit qu'en faisant ces trois améliorations-là, on reste sur la note D, parce qu'on est à 50, qui est la limite pour passer... pour améliorer, mais on a quand même réduit de 12 requêtes et la page gagne 10% de poids, on perd 10% de poids de la page et 25% de la taille du DOM, ce qui n'est pas négligeable, juste en ayant fait trois petites améliorations, pas bien compliquées. Mais c'est encore pas suffisant, on est encore en D, on n'a pas franchement amélioré la page. Il va falloir trouver des axes un peu plus impactants. Donc le premier... faire plaisir à tout le monde. Alors, quand on regarde la liste des requêtes, je peux vous les afficher, mais ça refait des manips. Il y a quand même pas mal de requêtes qui partent vers Google Analytics. En fait, il y en a 4 par consultation de page. Et puis, c'est Google Analytics, donc ça part régulièrement. Quoi. Donc, ça fait 4 requêtes et ça fait 38 kilos aussi à chaque consultation. Donc si on enlève Google Analytics, on arrive à franchir la barre. On passe en C. On est juste passé de 50 à 51. En vrai, on n'a pas beaucoup amélioré les choses. Mais déjà, on est passé en C en enlevant Google Analytics. Ouais, s'il y avait Google Analytics, c'est qu'il y avait normalement un besoin statistique. Donc une alternative serait de mettre en place Matomo, anciennement Piwik. Donc il y a un logiciel libre que vous pouvez installer sur votre serveur
qui a le même principe que Google Analytics de traquer les pages visitées. L'avantage, c'est que comme c'est sur votre serveur, vous êtes propriétaire des données. Il y a un module RGPD qui permet d'anonymiser les données reçues. Donc vous n'avez plus besoin de mettre le petit bandeau de consentement RGPD machin. Donc vous gagnez en plus là-dessus au niveau du DOM et surtout de l'expérience utilisateur. Et puis dans notre cas, ça fait juste plus qu'une seule requête au chargement de la page et plus 4. Donc on gagne un peu au niveau des requêtes aussi. Bon, il va falloir encore pousser un peu plus loin. En fait, quand on regarde vraiment la liste des requêtes, c'est YouTube qui bat tous les records. Oui, il y a une toute petite vignette avec la vidéo de la conf de l'an passé. Voilà, donc cette toute petite vignette, à elle seule, elle concentre 10 requêtes et 2 megs. Voilà. C'est assez... quand même assez énorme. Donc si on l'enlève, bah, d'un coup, on passe en B et on fait un bond de 51 à 68 au niveau de l'éco-index. Donc ça devient, d'un coup, c'est une page hyper sobre. Et merci YouTube. Donc si vous voulez toujours mettre la vidéo sur la page d'accueil, vous pouvez soit héberger la vidéo et mettre une balise vidéo, qui est vraiment le cas le plus simple. Comme ça charge pas de widget, ça charge pas la vidéo, juste une petite vignette, et puis ça charge la vidéo que si l'utilisateur veut vraiment la voir. Autre cas, si jamais vous ne pouvez pas héberger la vidéo, vous pouvez essayer de mettre la vidéo sur Peertube, qui est une solution de vidéo en ligne de streaming créée par Framasoft, qui du coup se base aussi sur la balise vidéo, donc vous ne chargez pas de widget, c'est pareil, vous chargez la vidéo que au lancement. Et au pire, si vraiment vous voulez mettre YouTube, bah, vous pouvez essayer de la mettre sur une page dédiée vidéo, vraiment ailleurs, pour pas que tout le monde charge 2 mégas à chaque lancement. Et puis aujourd'hui, vous l'avez lancé plusieurs fois, le site du Jack Summer Camp, à chaque fois que vous regardez le planning. Une solution, ça serait peut-être aussi d'avoir un mode offline. On a le planning une bonne fois pour toutes sur notre smartphone et on ne fait pas des requêtes à chaque fois pour regarder quelle est la conf suivante. Ne serait-ce que juste consulter le programme sans avoir à se connecter au réseau, voilà, par exemple pendant la conférence. Donc, autre outil développé également par Green IT, c'est l'écometteur, ça va être le remplaçant de l'éco-index. Pour l'instant, il est en cours de développement, il affiche moins de... Tu peux afficher la suite. Il affiche moins de bonnes pratiques, seulement 15, et il fonctionne que sur des sites qui sont déjà en ligne. C'est pas un plugin, c'est vraiment une page à part. Donc ça marche une fois que votre site est pas forcément prod, mais voilà, au moins disponible en ligne. Mais à terme, il est voué à remplacer l'EcoIndex. EcoIndex, ils ont aussi une version en ligne où on peut tester des sites existants. N'hésitez pas à jouer avec. Il y a des résultats surprenants sur des sites de choses d'associations écologiques. Par exemple. Pour aller plus loin, on peut aussi consulter la liste des 115 bonnes pratiques répertoriées par le collectif Green IT. C'est basé sur un livre de Frédéric Bordage qui s'appelle Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques. Donc là, ça ne se limite pas aux simples pages web, comme là on a pu montrer. Il y a aussi des bonnes pratiques pour la base de données, le développement, beaucoup des serveurs, également l'hébergement, je crois. Voilà. Donc il y a vraiment tout, l'accessibilité aussi et de l'ergonomie. Enfin, il y a vraiment de tout. Développement au sens large. On tester. On peut faire le test. Sûrement, parce qu'il y a. Ouais, sûrement. Ouais, puis il y a que 10 éléments, il y a que 10 éléments, donc je pense qu'ils en chargent pas beaucoup à chaque fois, donc je pense que oui. Voilà pour cette présentation de l'outil EcoIndex. Donc maintenant, à votre tour de tester sur vos propres applications. Là, on a remis les références du site EcoIndex, si vous voulez voir. Lui aussi, je pense qu'il est en A. Voilà, vous pouvez tester n'importe quelle URL. Fais Inception, là, mais EcoIndex.fr. Attends, je vais remettre. Vous voyez que j'ai fait des tests, hein.
Mais parfois, ils ont régulièrement des problèmes de DDoS. Et du coup, ils se font pas mal attaquer, en fait. Je sais pas pourquoi. Des anti-écolos, je sais pas. Donc voilà, parfois, ça marche pas bien. Bon, bah voilà, c'est l'effet des mots, forcément. Bon, quand ça marche, c'est bien. Bref, le temps qu'il y ait des questions, peut-être que ce sera arrivé. Merci à tous, si vous avez des questions.